Et donc, on commence Jean chapitre 15, le verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et donc ici, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, hein, aux 11 disciples, parce que, rendu à ce moment-là, Judas n'était plus un des disciples, lui qui avait trahi Jésus. Et on est à quelques heures seulement de la crucifixion, à quelques heures seulement que Jésus allait être crucifié. Et donc, Jésus est en train de prononcer des paroles ici qui sont très sérieuses à ses disciples. Merci d'avoir changé le PowerPoint en arrière de moi. J'oublie parfois. Jésus est en train de prononcer probablement ses dernières paroles, hein, à quelques heures. Et puis, on sait que quand une personne est mourante ou s'apprête à mourir prochainement, ses dernières paroles, c'est habituellement des paroles très sérieuses, des paroles qui ont une signification profonde. Et ici, on est dans les dernières paroles de Jésus. Et il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et Jésus est en train d'enseigner aux disciples qu'ils ont beau avoir accepté, en quelque sorte, son invitation, comme on voit dans Jean 1, chapitre 1, où ce que deux disciples ont accepté de suivre Jésus. C'est seulement parce que, premièrement, il avait fait ce travail d'inclinaison de leur cœur envers cette invitation-là. Et c'est un peu ce que Jésus parle ici, qu'ils ont choisi, que Jésus les a choisis. Et ce travail d'inclinaison de leur cœur, c'est ce qu'on appelle la régénération, hein, le changement de cœur que Dieu vient opérer chez une personne afin de la rendre capable, la rendre apte à répondre à son appel. Et un peu, on voit un exemple dans Actes 16, le verset 14, que j'ai mis ici. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, est une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. On voit ici que le Seigneur lui a ouvert le cœur pour la préparer à recevoir les paroles de Paul. Et puis, par la suite, on voit qu'elle a été baptisée. Et certainement qu'on pourrait parler pendant des heures pour voir ce que la Bible enseigne sur cela. On pourrait le voir à différents endroits dans la Bible. Mais Jésus, il n'est pas en train de vouloir ici partager seulement une position doctrinale sur ce qu'on appelle peut-être l'élection. Il est en train de dire aux disciples qu'ils n'ont pas à craindre la suite des choses. Lorsqu'il va être parti, ils n'ont pas à craindre la suite des choses parce qu'il sera toujours avec eux, parce que c'est lui qui les a choisis. Et Dieu est fidèle à notre égard. C'est lui qui nous a choisis, nous. Et Jésus n'agit pas par impulsion émotive. Il ne regrette jamais ses décisions. Il savait qu'il devait être celui qui nous choisissait au lieu de nous qui sommes humains, influencés par nos émotions, et puis que quand il y a des épreuves qui arrivent, parfois on a le goût d'abandonner. Jésus savait que c'était lui qui devait nous choisir pour être sûr qu'on allait persévérer. Et puis, Jésus connaissait l'ampleur de la tâche devant nous, qui était la même que ceux des disciples, hein, dans Jean 15 qu'on voit ici. Il savait qu'humainement parlant, c'était des tâches qui étaient surhumaines, qui nous attendaient, qu'on allait avoir peur, qu'on allait se décourager, qu'on allait vouloir abandonner même. Et le fait que c'est lui qui nous choisit, ça nous rassure, parce qu'il a fait cela en sachant très bien qui on est. Il nous fournit donc toutes les capacités nécessaires pour accomplir ce pour quoi nous avons été créés, porter des fruits ici sur terre. Et on voit dans le verset 8 son désir que l'on porte des fruits. Et ça dit dans le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jésus dit ici qu'en portant beaucoup de fruits, Dieu est glorifié, Dieu est honoré. Et c'est en portant beaucoup de fruits que l'on se distingue par le fait d'être des enfants de Dieu choisis par Dieu, désirés et choisis par lui, pas par nos propres mérites, mais parce qu'il a décidé ainsi. Et donc, un peu à la manière de Jacques, hein, qui était le demi-frère de Jésus, qui a écrit la lettre de Jacques, on voit dans le chapitre 2 de la lettre de Jacques, versets 14 et 17, ça dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, ils manquent de la nourriture de chaque jour,
et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et lorsque Dieu nous choisit, il nous rend aptes à répondre à son appel, un peu à l'exemple d'un arbre en santé qui va porter des bons fruits par la suite, durant la vie de l'arbre ou durant notre vie. Mais de quel fruit est-ce qu'on parle ici dans Jean 15? Versets 12 et 17 de ce même chapitre nous le dit. Verset 12, il nous dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et le verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et certainement que Jésus nous enseigne à s'aimer les uns les autres dans le sens de les chrétiens, ceux qui ont la même foi, aimez-vous les uns les autres, parce que cela va servir de témoignage pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette invitation de la part de Dieu, cette transformation du cœur-là. Donc certainement qu'il doit nous parler ici de s'aimer les uns les autres. Mais également, je crois que Jésus enseigne que cet amour devrait s'étendre à tout le monde et que c'est là les vrais fruits d'un chrétien. Aime Dieu et aime ton prochain. Et pourquoi est-ce que je crois que les fruits que Jésus parle s'étendent à aimer, pas seulement ceux qui croient comme nous, mais notre prochain également? Pour deux raisons. C'est le message de la Bible. Un Dieu qui poursuit les êtres humains, qui poursuit sa création par amour pour eux. Il les aime tellement qu'il va même jusqu'à mourir sur la croix. Cette croix que l'on méritait à cause de notre infidélité, à cause de notre rébellion envers lui. Ce même Dieu nous enseigne, au travers de toute la Bible, à proclamer à notre tour ce grand message d'amour à tous ceux qui sont sur notre chemin. Et donc, ça commence par un amour envers les autres. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je crois que ces fruits-là devraient s'étendre à même ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qu'on côtoie, notre prochain? Parce que les versets 18 et 21 nous disent « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ici, on est encore dans le chapitre 15. Pourquoi est-ce que le monde pourrait nous haïr si notre mission ici sur terre, que Jésus nous confie, ne les incluait pas? Pourquoi le monde devrait nous haïr si notre mission ne les incluait pas? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'être haï si cet amour-là qu'on veut leur transmettre n'était pas destiné à eux également. Et donc, si on revient un peu dans le verset 16 que je n'ai pas mis à l'écran, on voit que Jésus enseigne également qu'il ne nous a pas seulement choisis, mais il nous a établis. Il dit « Je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Non seulement Jésus nous a choisis pour être déclaré son enfant, mais il nous établit également. Il nous place dans l'endroit qu'il désire afin qu'on puisse poursuivre cette mission d'amour qu'il nous confie, qu'il a confiée ici à ses disciples dans Jean 15. Et maintenant, on revient dans les premiers versets du chapitre 15, d'être attaché au cep. Les deux premiers versets nous disent « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Donc, quand on parle de cep ici, on parle de l'arbre, le tronc de l'arbre. Et mon père est le vigneron, celui qui récolte les fruits. Tout serment, ou on pourrait dire toute branche, qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment ou tout branche qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et vous savez, une branche seule ne peut pas porter de fruits. Une branche détachée de l'arbre va finir par mourir, va sécher, ne portera pas de fruits. Une branche doit être rattachée à un arbre pour être nourrie par celle-ci et finalement produire les fruits qu'elle est supposée porter. Également, une branche, même si rattachée à un arbre, ce n'est pas elle qui va forcer pour porter des fruits. Ce n'est pas la branche qui force pour que les fruits sortent.
C'est l'arbre qui vient faire en sorte que cette branche-là va produire des fruits. Et dans cette image-là qu'on voit dans les deux premiers versets, Jésus nous enseigne encore une fois, quelques heures avant sa crucifixion, qu'il est l'arbre et que nous sommes les branches de cet arbre-là. Il nous enseigne ici que si on veut porter des fruits, on doit être rattaché à lui. On doit être constamment rattaché à lui pour pouvoir porter des fruits et remplir cette mission d'amour qu'il confie. Les versets 4 nous disent « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure rattaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comment faire pour porter les fruits que Jésus enseigne? On doit rester attaché au cep. On doit rester attaché à Jésus, à celui qui nous a choisis, à celui qui nous a établis là où on est. Maintenant, comment porter des fruits de façon concrète? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment rester attaché à Jésus de façon concrète? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus lui-même répond dans ce chapitre 15 et versets 7 et 16. Il nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Et le verset 16, « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il nous dit dans ces deux passages que pour porter du fruit, on doit rester attaché à lui. Et cela se fait également par la prière, de rester connecté à Dieu, de rester connecté à Jésus, par la prière, avoir des temps à part où nous sommes en connexion avec lui, où nous parlons avec lui de les belles choses qui se passent dans nos vies, les choses plus difficiles également, avoir des temps avec lui où nous lui demandons de nous aider à aimer les autres. Les temps où nous lui demandons, comme dans l'exemple de Lydie, qu'il ouvre le cœur ou le rende réceptif à recevoir les paroles qui sortiront de notre bouche. Il nous demande de rester connecté par la prière. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va produire des fruits. Hein? On est des branches selon Jean 15. Et ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va produire des fruits. Ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par nos propres forces. Une branche en elle-même ne peut pas porter des fruits lorsqu'elle est seule. Elle doit rester attachée à l'arbre. Elle doit rester attachée à Jésus pour porter du fruit. Donc, nous devons dépendre, rester connectés à l'arbre qui, elle, va produire les fruits en nous. Et je vous avais dit que ce serait court. Verset 26 nous dit, encore du chapitre 15, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint, nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider dans cette tâche, dans cette mission d'amour qu'il nous confie. Et donc, ce matin, comment mettre en application? Comment appliquer ces passages-là à ma vie, qu'on a fait réellement un survol rapide. On aurait pu aller beaucoup plus en profondeur dans ce chapitre 15. Il y avait tellement de matière à observer. Je voulais y aller vraiment dans l'essentiel de ce matin. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce matin? Jésus vous aime et c'est celui qui nous choisit. Ça devrait être un encouragement qu'il ne nous abandonnera jamais parce que Jésus est fidèle. Jésus ne nous a pas choisis basé sur des émotions, il nous a choisis, il nous a établis et il restera fidèle pour nous aider à accomplir cette mission-là. Et cela devrait être un encouragement qu'il ne nous abandonnera jamais. Jésus vous a établi exactement à l'endroit qu'il vous veut et son désir est que nous puissions rester attachés à lui afin de porter des fruits que lui va produire. Et c'est Jésus qui va produire les fruits en nous. Ce n'est pas nos propres actions qui vont faire en sorte que ça va être des fruits qui vont demeurer. C'est Jésus qui va produire en nous des fruits qui vont demeurer. Et troisièmement, Jésus nous envoie son Saint-Esprit, son Esprit Saint, afin de nous consoler lorsque ce sera difficile et pour parler au travers de nous lorsque nous allons parler en son nom. Et on a vu ça dans le verset 26, qu'il allait envoyer le Consolateur. Il a envoyé cet Esprit Saint
qu'elle ait parlé au travers de nous et nous consoler lorsque ça allait être difficile. Et j'ai rajouté un quatrième point également que je n'ai pas mis à l'écran. Dans Acte 18, je l'ai-tu mis? Je ne l'ai pas mis. Acte 18, versets 9 et 10, où ce qu'on voit une mission que Dieu a confiée à Paul. Et ça va être un peu ma transition pour vous emmener dans la présentation que je voulais vous faire. Acte 18, les versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc, Dieu avait envoyé Paul à Corinthe pour une mission particulière. Il lui a dit, « Reste là, parle en mon nom, parce qu'il y a des gens que j'ai choisis dans cette place-là, dans cette ville-là. » Et puis, le verset 11 du même chapitre, il dit, « Il demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Paul est demeuré là un an et demi à enseigner, parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'avait établi dans cette ville-là pour qu'il puisse porter des fruits au travers de lui. Et donc, soyons fidèles à l'appel de Dieu pour nos vies. Rappelons-nous toujours que c'est lui qui produit les fruits durables lorsque nous restons connectés à lui, comme Paul a resté connecté à lui lorsqu'il était dans la ville de Corinthe, une ville qui n'était pas facile. Il restait là un an et demi temps. Ça a été long avant qu'il puisse voir des fruits. Mais il est resté fidèle, restons connectés au CEP. Amen.